CGT et on a toutes les raisons. Il s'agit pas de et Monsieur Martinez, on a toutes les raisons de faire. Vous l'adorez, vous, la CGT. On a toutes les raisons de le faire parce que, Monsieur Martinez se rend bien souvent imbuvable. Alors je veux dire, la CGT est complice. Vous m'avez pas entendu. Est complice de ceux qui aujourd'hui détruisent l'emploi dans notre pays, monsieur. Il y a deux chemins de contestation qui s'ouvrent désormais. Celui de la CGT qui consiste à dire on bloque y compris à Noël et on fera pas de trêve. CGT Sud, force ouvrière. Voilà. Il faut rappeler quand même aux auditeurs... C'est pas une question, ça c'est un discours de CGTiste. Oui, bien sûr. Vous êtes à la CGT, monsieur, non ? Yves, un dernier point, une question parce qu'il faut laisser notre invité. Vous êtes à la CGT, monsieur, non ? Robert Ménard a été élu à la mairie de Béziers en 2014 et très rapidement les relations se sont distendues dans la mesure où le syndicat CGT, par le biais de la communication qu'il a pu avoir envers les salariés, s'est toujours positionné par rapport aux valeurs de la CGT contre la lutte contre l'extrême droite très rapidement aussi communiquer auprès du personnel pour critiquer la gestion du maire, notamment la gestion antisociale qui a été mise en place par le maire de Béziers. Alors, on est deux personnes dans le syndicat qui sont la cible du maire de Béziers. C'est la secrétaire générale adjointe qui était chef de service dans un service d'état civil et qui a été remerciée entre guillemets de ses fonctions. Elle a été mutée dans un poste avec plus aucune responsabilité de manière pas très jolie il y a quelques mois de cela, et bien sûr moi en tant que secrétaire général du syndicat. Alors pour moi ça a commencé en 2016 suite à un changement de direction dans le service dans lequel je travaillais. Je me suis retrouvé pendant 2 ans sans qu'aucune mission ne me soit confiée. Donc ça a été, j'arrivais au bureau le matin et j'avais rien à faire jusqu'au soir où je reparte. Alors heureusement, comme j'étais détaché à mi-temps sur l'organisation syndicale, ça m'a permis de pouvoir travailler syndicalement, mais ça a été une période assez difficile à vivre. Et du coup, je me suis détaché à temps plein à partir de 2018 auprès du syndicat, et ce qui m'était jamais arrivé en pratiquement 25 ans de militantisme. J'avais toujours souhaité garder un pied dans l'entreprise et là j'ai été obligé de me détacher complètement. Alors ce directeur qui m'a squeezé, qui m'a plus donné aucun boulot, j'ai passé un concours en 2017, un concours d'attaché territorial. C'est un concours de catégorie A de la fonction publique que j'ai réussi. Et mon directeur a passé le même concours que moi, mais lui il l'a loupé. Mais par contre, lui a été promu, il a eu une promotion, il est devenu directeur délégué d'une grande direction. Et moi, ça fait maintenant 3 ans que je suis titulaire de mon concours. Les 3 autres personnes qui l'avaient passé en même temps que moi ont toutes été nommées, et je suis le seul à ne pas avoir eu la chance d'être nommé sur mon concours. Donc j'ai entamé des procédures. J'ai entamé pour discrimination syndicale parce que l'adjoint au personnel nous a bien dit que s'il ne me nommait pas, c'est parce que par rapport à mes activités syndicales, j'étais jamais là et que donc on ne pouvait pas mesurer si j'étais méritant ou pas. Pour quelqu'un qui a 30 ans de mairie, c'est un peu un dur à avaler, mais bon, c'est la raison qu'ils m'ont donnée, sachant qu'il s'agit là d'une discrimination, puisque mes absences, ce n'est pas des absences, c'est des autorisations spéciales d'absence et que je suis en décharge syndicale. Donc, donc il y a une procédure qui est faite chez le défenseur des droits, il y a des procédures qui sont en cours auprès du tribunal administratif, la dernière péripétie qui s'est passée, bon, je passe parce que ça serait trop long à raconter tout ce qu'on peut subir à la ville de Béziers, mais la dernière péripétie qui s'est passée, c'est au début du confinement, donc le 16 mars, ou le 17, je ne sais plus. J'écris à la DRH pour dire que j'étais confiné, mais que je me mettais à la disposition de la ville pour effectuer toute tâche qui pourrait être utile dans cette période de crise. Donc je lui ai envoyé ça par écrit. À partir de là, j'ai eu aucune sollicitation de la part de la collectivité. 3 semaines après, il y a eu un autre appel à volontaires pour aller distribuer faire les courses pour les personnes âgées et distribuer des repas des personnes âgées. Donc je me suis à nouveau porté volontaire
de manière officielle, et je n'ai toujours pas été retenu dans les opérations de volontariat. Et troisième appel à volontariat qu'il y a eu, c'était il y a une dizaine de jours de ça, c'était pour distribuer des masques à la population biterroise. Donc là, je me suis porté à nouveau volontaire, et le responsable de l'opération est un élu CFDT avec qui j'ai de bons rapports. Et quand il a vu que je me portais volontaire, tout naturellement, il a retenu ma candidature. Et donc, j'ai commencé vendredi dernier, sur une journée, un binôme, à aller distribuer des masques à la population. Le samedi, je n'étais pas prévu dans le tour de distribution, puisque on avait un problème de réception des masques, ils n'étaient pas encore livrés. Donc, on m'a demandé de revenir le dimanche, ce que j'ai fait. Et le dimanche matin, je suis parti distribuer les masques toujours dans la population. Et quand je suis rentré à l'endroit où on stocke tous les masques à midi, le maire était là. Et quand il m'a vu, je suis rentré, je suis allé me laver les mains. Et quand je suis ressorti des toilettes où je m'étais lavé les mains, je me suis rendu compte qu'il était en train de parler avec son épouse qui est députée et la directrice de cabinet, que leur regard respectifs venaient vers moi. Donc j'ai compris que j'étais un peu au centre des discussions. Je suis sorti deux minutes pour discuter avec le responsable de l'opération en dehors de la salle. Et la directrice de cabinet, pendant qu'on discutait, est arrivée en demandant au responsable de l'opération de venir le voir. Et il est ressorti deux minutes après en me disant que ma mission prenait fin et que j'étais exclu du processus de volontariat pour cette opération. Donc je suis rentré pour trouver la directrice de cabinet pour lui demander un peu des explications par rapport au fait que je sois indésirable. Elle m'a sorti un truc bidon, comme quoi il y avait trop de volontaires et que du coup ils avaient été obligés de demander à quelques volontaires de partir. J'étais le seul à partir. Et j'ai été le seul à partir. Et le pire de tout, c'est que donc, c'était dimanche matin. Et le samedi soir, il y avait un mail qui était envoyé à tous les directeurs et chefs de service de la ville pour demander qu'on fournisse, s'ils pouvaient demander aux agents d'être volontaires parce qu'il manquait de volontaires. Donc voilà un peu la dernière péripétie, c'est-à-dire que même sur des opérations de volontariat pour venir en aide à la population dans le cadre d'une opération qui n'a rien à voir avec mes missions, là aussi, le maire n'a pas supporté de voir le responsable de la CGT dans cette opération et m'a demandé de partir, voilà. Et ça, c'est des choses qui sont blessantes, parce que moi, je le faisais parce que j'avais envie, en tant qu'agent de service public, d'être utile dans une période de crise, et je voulais me mettre à la disposition de la population pour pouvoir venir en aide à mes humbles moyens, mais voilà, et ça, même ça, on me l'a refusé. Et ça, c'est des choses qui se répètent de manière incessante. Pour aller plus loin, est-ce que c'est plus possible ? Ça, y compris au-delà de la discrimination syndicale, il y a un aspect de harcèlement moral, parce qu'on essaye de m'isoler de mes collègues de travail. On répond jamais à mes courriers. On essaye de me dénigrer dès qu'on parle de moi, c'est dans les actes. C'est toujours de manière péjorative. C'est une volonté de m'écarter. Des copains qui me parlent peuvent avoir des réflexions de la part de leur hiérarchie, mais du cabinet, en demandant pourquoi ils me parlent. Ça, c'est surtout chez les cadres, parce que comme je suis moi aussi cadre, j'ai quand même pas mal de relations avec mes collègues cadres. Et voilà, c'est toute la journée, c'est des choses comme ça. Et là, ça, j'avoue que ça devient un peu compliqué. De vivre ça. Moi, ça fait 30 ans que je bosse au service de la mairie. J'ai gravi tous les échelons par concours. Et là, maintenant, mon dernier échelon que j'avais réussi, on va me le refuser. Ça fait 3 ans que j'ai passé mon concours. Il me reste un an. Et dans un an, si je n'ai pas trouvé de solution de sortie de la ville, c'est-à-dire de trouver un autre boulot ailleurs, je perdrai le bénéfice de mon concours. Donc voilà un peu la situation dans une ville gérée par un maire d'extrême droite qui se défend d'être membre du Front National, mais qui applique exactement les mêmes méthodes que ce qu'on peut retrouver dans l'ensemble des villes gérées par le Front National. Jusqu'à présent, le syndicat majoritaire était FO, et pour la première fois en 2018, c'est la CGT qui est devenue première organisation syndicale.
Donc, c'est nous qui avons le plus d'élus, toutes instances confondues. Et ça aussi, ça a été un coup de massue pour le maire, parce que c'est de voir la CGT arriver en tête, y compris dans ma catégorie, la catégorie B, on est en tête avec plus de 37%. Et sur quatre organisations, les secondes sont à 22, je crois. Donc, on a quand même une grosse marge de gain par rapport aux autres, et sur l'ensemble des toutes catégories confondues, donc on est en nombre d'élus la première organisation de la ville, et ça c'est la première fois depuis 35 ans que ça arrive, et donc ils l'ont très très mal vécu, et je pense que la répression qu'on peut vivre aussi elle vient aussi de là, parce que le gain aux élections professionnelles, ça leur a fait beaucoup de mal. Ah, bah, écoute, c'était moi la plus belle victoire, c'est le soir des résultats, quand j'ai vu la tête de tous ceux qui étaient en face de nous, là, les élus qui avaient des têtes déconfites parce qu'ils espéraient tous que. On a un syndicat FO qui est le syndicat maison, qui a une tradition de syndicat maison, quelles que soient les couleurs politiques. Et donc, il n'a pas hésité non plus à devenir syndicat maison quand c'est l'extrême droite. Qui a pris le pouvoir, et ils espéraient que ce soit eux qui remportent assez largement les élections. Et quand ils voient leur tête le soir du 6 décembre, là, quand les résultats tombaient, c'était même jubilatoire de voir ça. Mais j'ai envie de leur dire qu'il faut réussir à faire ce que nous, on n'a pas réussi, c'est-à-dire à vaincre la peur. Nous, on a un personnel municipal. Alors, la ville de Béziers, c'est à peu près 1700 agents avec une mairie CCAS. Et on a un personnel municipal qui est terrorisé. Alors, il y a plusieurs formes de réaction hein, dans le personnel municipal. Il y a ceux qui se sont dit il y a une opportunité peut-être de carrière et je vais rentrer dans le jeu comme ça, je m'en sortirai. Et ça existe, il faut se le dire. Mais il y a aussi ceux qui sont tétanisés par la peur et qui n'osent rien dire. Parce qu'il faut dire aussi. Il y a eu quelques têtes qui sont tombées très rapidement à l'arrivée, quand Ménard est arrivé. Donc, il y a ce sentiment de peur. Et moi, je me dis que la peur, c'est leur plus grand allié, ces gens d'extrême droite, et qu'il faudrait arriver à inverser la peur et la mettre dans leur camp. Et le seul moyen de mettre la peur dans leur camp, c'est que les salariés soient mobilisés, qu'ils soient en capacité de peser de tout leur poids sur les décisions. Donc s'il y a des villes qui basculent, déjà il faut de la solidarité entre les camarades, parce que c'est compliqué à vivre, c'est compliqué à vivre. Il ne faut surtout pas lâcher l'action de terrain, il faut être sur le terrain tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et alors ça, il y a des difficultés, c'est compliqué, il faut vrai, des fois on a un peu envie de tout envoyer paître, hein, je le dis tranquillement. Mais il faut y être parce que c'est le meilleur moyen d'arriver à les combattre. Nous, à Béziers, malheureusement, ils craignent la CGT, ils nous craignent, donc ils essayent de nous descendre. Mais si on avait le personnel qui soit en capacité de se bouger, moi je dis souvent une phrase de la Boétie, mais qui est tellement vraie, c'est qu'ils ne sont grands que si nous restons à genoux, et pour l'instant... Malheureusement, le personnel de la mairie de Béziers, il a tendance à rester à genoux. Et s'il se relevait, déjà Robert Ménard, il n'est pas très grand de taille, donc j'imagine ce que ça pourrait donner. Quoi. Mais moi, j'ai participé à la campagne et j'ai fait une petite photo où j'ai mis plusieurs slogans, notamment des slogans un peu plus sociaux sur retraite et SMIC à 1800 euros. Mais j'ai dit, le jour d'après, ça devrait être aussi un monde plus juste. Et un monde où il n'y a plus de discrimination syndicale et un monde où il n'y a plus de fachos dans nos quartiers. Quoi. Donc voilà, la Fédération CGT de services publics continue ce combat contre les idées d'extrême droite, puisque nous en voyons et nous en constatons les dégâts au quotidien quand il y a un syndicat CGT dans ces villes. Et nous continuerons à combattre ces idées, non seulement en accompagnant nos camarades, mais également... en faisant de multiples publications pour alerter la population sur les dangers du développement des idées d'extrême droite et notamment dans la gestion des politiques municipales qui sont menées dans ces mairies.